Bon. En fait, ouais, j'ai eu un petit problème. En fait, c'est mon antivirus qui avait bloqué le jeu. En fait, ça servait à rien de l'avoir. Oui. Ouais, en fait, ouais, mon antivirus, il faut faire attention. Mon antivirus avait bloqué le jeu. Un truc tout con, quoi. Ah mais ça m'a fait bader franchement. Oui, je continue, oui. Pas demander les crédits. Voilà, terminé. Contre, voilà. Hop, voilà. Boutique. De toute façon, dégage toi. Option, habilité. Affichage et graphisme. Pas mettre plus sur rafraîchissement. Ça donne quoi le benchmark? Bah alors, t'as galère pour lancer un benchmark lui.
Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! Ouais, ça va entre 55 et 60 FPS. Ouais, dès qu'il commence à avoir du monde, en fait, je suis autour de 55. Donc... Oh, ok. Bon, ça a l'air d'aller. J'ai pas... Toby A. Franklin, c'est quoi ça? Il est pas. Nouvelle partie. Alors. Obsession mortelle. Alors, les boîtes à munitions sont rares. Les ennemis ont une santé normale, font des dégâts normaux et les recevoirs sont éliminés. Peinture blanche. Discrète sur les voies principales. Plan de la prochaine. Allez, mais là, donne des indices généraux, j'en vois jamais.
Ça nécessite des ressources pour l'allumer et tout. Allez, hop. On tient lui. Allez, c'est parti. Talentueuse, mélangeant les genres, les origines, les étoiles, c'est un bien que cette œuvre des fictions ne stoppe. Elle est développée en collaboration avec un historien et des consultants culturels. Cette diversité, c'est comme elle a créé le monde que vous allez découvrir. Soyez quelles que soient vos origines, c'est à ça que nous vous accueillons. Bienvenue dans Shadow of Stone Tomb Raider. Ouh. Merci. For your friend Mike Sherlock. Pour notre ami Mike Sherlock. Oh, c'est pas du tout. Jamais de chance dans les avions. Même. Dans le premier, c'était aussi. Non, c'était un bateau. Je me trompe, c'était un bateau. Jonah, t'es là. Deux jours avant. Ok. Merde. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis en route. Ce sera pas long. Aïe. Tu coupes en plus, hein? Ça ira pas. Hein. Souris inversé. Fais pas ça. Ah.
honte. Un petit peu baisser la sensibilité. Hein. Salut la choussou. Comment tu vas? La choupoussou, pardon. Comment tu vas? Bienvenue à toi. Lisa, j'ai activé des amis. Salut Gotora, bienvenue à toi aussi. Alors, inverser la direction. Non, 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 c'est bon, inverser la direction. On va un petit peu baisser la sensibilité. C'est là. Hein. Je sais pas. Voilà. Fermé. Qu'est-ce que ça donne? De rien, ça fait plaisir. Merci à toi d'être là. Ouais, non, on va encore baisser. Hein. Je sais pas. J'augmente au fur et à mesure. Limite, je vais même éteindre. De rien aussi. Jonah, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Le Trinitaire n'ont pas fini. Il protège quelque chose. Six oui, semaines. Tout au début. On sait toujours pas qui dirige la cellule locale des Trinitaires. J'ai parlé à des gens en ville. Et c'est l'Ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le... Mais c'est un peu le sang. Audio, voilà. Baisser un petit peu parce que là je trouve que c'est un peu fort quand même. Les dialogues, c'est comme ça. Ouais, bah ouais. C'est comparé, ouais. La plupart des personnes parlent dans leur langue natale, offrant des fois. Ouais, bah je vais mettre ça, ouais. Sous-titres, oui. Ah oui, hein, si. Elle a pris 10 ans rien qu'avec sa voix. Ah ouais. Vouloir des sous-titres, bon, je m'en fous. Sous-titres, on affiche les sous-titres pour la plupart des conversations. Bah ouais. Sous-titres SM. Ah bon, sous-titres sadomaso. Diffuse des informations interprétées et additionnelles telles que les effets audio pour les chansons. Autre... Ah oui, bon, oui, vas-y. Pourquoi pas. Ou parleur d'écran, non. Casque. Ah oui. T'es mort. Un certain Dominguez. On devrait enquêter. C'est la voix de... Ah ça, je l'ai pas vu le dernier film. C'est vrai que ça, j'ai... Alors, appuie sur Z et... Espace. Et lire. Ça, c'est de la femme. Une femme comme on les aime. C'est joli. Faut sauter à la corniche suivante. On me l'a dit. Ah d'accord. Pas comme ça, tu peux le dire aux autres maintenant. Jonah, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Ah, c'est vrai qu'il est beau, hein. Quand tu regardes, il est magnifique. Moi, c'est ça qui me donne. C'est ça que j'adore dans ce jeu-là. C'est l'ambiance des tombeaux et tout. C'est vraiment magnifique. C'est. Rien que de faire des tombeaux, c'est. Magnifique, comme elle le dit, magnifique. Ah, ça c'est moins magnifique ça. Lara! Oh, mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont enlevé les énigmes difficiles des premiers jeux sortis. J'ai
Le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu parles du premier Tomb Raider ou vraiment le tout premier qui est sorti il y a des années, il y a 20 ans quoi. C'est quoi tout ça? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Ah oui, les tout premiers, ouais, c'est ceux qui datent, ouais. C'est c'est vrai bizarre. Que... Je crois qu'on l'a abîmé. C'est vrai que les énigmes, c'était très difficile. Pourquoi les trinitaires feraient ça? Une joueuse des premiers heures dessus. Ah ouais, bah oui, franchement, moi aussi. Non, les dégâts sont antérieurs. J'ai joué tellement au Tomb Raider. Et j'ai tellement mis le majordome dans le frigo. Qui ne l'a pas fait, toi, sans ça. Il faut qu'on sorte d'ici. Allez. Non, j'ai besoin de ça. Allez. Vite, cours. Dépêche-toi. Tu m'avais pas sorti. Ah oui, on l'a tous fait ça, toi, franchement. T'y serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Lara, parce que c'est japonais, ça. Eh, ça te dit de souffler un peu. On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Eh, je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. C'est pas la dalle, lui. Le gars, il a failli crever. Qu'est-ce qu'il pensait à bouffer? Casa Mexicana. Sur le docteur bien raison. Dominguez. Ouais, c'est vrai. Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal. La nourriture, c'est la vie. Ah oui. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Ah non, avec des symboles, ça veut dire... Ils ne vivent que dans l'Amazon. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazon. Brésil. Pérou. Cette date dans les ruines là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité information un 8 c'est... Bah ouais, franchement, avec c'est la précession, clair. Hein. C'est... Quoi la précession. Elle voit des symboles, elle voit des dessins, ça y est, ça veut tout dire. Ouais. Les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les trinitaires cherchent. J'allais chercher aussi l'argent. Docteur, on a trouvé. Oui? Montrez-moi. Vas-y, jette ces pièces comme ça. J'ai entendu ça. Voyons où il va. Hey, attends. Les trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. iPhone. Ah, 1700 boules. Ah oui, bah oui. Merde. Les trinitaires sont armés. Et ils ont appelé des renforts. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. D'accord. Ah, c'est pour... Ok, d'accord. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez? Il peut pas être loin.
Il doit être quelque part dans la cour. Ouais. On va le chercher. Quelqu'un est forcément au courant. Salut, Sammy. Comment ça va? Vas-y, il reconnaît derrière son masque, lui. Salut, Sammy. Ouais. Hola. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Hola. Je suis sûr que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Qué hermoso paisaje. Oui. Toute cette nourriture, ça me donne faim. T'aurais dû manger un morceau. J'étais trop impatiente. Comme toujours. On va aller là-bas. On va écouter les musiciens. Tu l'as vu alors? Non, on continue de chercher. Il y a pas de soucis, Blizz, bonjour à toi. Yeah. Les gens du coin ont l'air de beaucoup t'apprécier. Je les aime bien. Ils sont gentils. Salut, gamin. Voilà, mi papa. Je pourrais en allumer un pour ma mère. Oui, la fête des morts au Mexique. Ouais, bah oui. Vraiment la en disant comme ça, c'est vrai que... Ou les immortels. En disant comme non, ça, la fête des morts, ça doit être cool. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que c'est une bonne tradition au Mexique. Jonah, il arrive à la porte. Je le vois. Oh, mais moi j'ai pas fini d'explorer. Désolé, moi j'explore, hein, donc j'aime bien explorer. Tellement que c'est beau tout ça. T'as... Ah. Ok, vas-y. La meuf elle prend comme ça. Là. Donc, faut que je passe sur le côté. Bonjour, comment t'es? Je vais mettre un truc pour sa mère, mais pas pour son père. C'est vrai. Toutes ces lumières et ces couleurs. Alors rien à battre de son père, en fait. En tout cas, je suis pas contre pour aller plus vite, pas plus vite. Ça me rappelle quand on suivait ce professeur en Égypte. Comment il s'appelait déjà? Por favor, prueba un poco. Goûtez. Ça sent super bon. Alors t'as le temps de manger maintenant. C'est quoi ça? J'essaye de m'intégrer. Les patates, si jamais je vois quelqu'un qui vend des cookies... Ce serait quand même bizarre au Mexique. Ouais, mais si jamais... Alors oui, j'en veux bien. On pourrait peut-être allumer un cierge pour Alex et Ross. Ce serait bien, ouais. Mmh, et aussi pour Jacob. Mais avance, toi. Je peux parler à la madame. Bonjour, madame. Les jeunes ne savent rien de la vie. ¿A quién le dices? No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. J'aime bien parce qu'elle parle en français et j'aime bien les autres, ils comprennent ce qu'elle dit. Il y a un coup de pâte de poulet. J'ai eu un appel de Sam pour mon anniversaire. C'était quand la dernière fois que tu lui as parlé? Elle m'a appelé quand on était à Belly. J'avais dit que je la rappellerais. Médicament. Ok. C'est du maïs, putain, les épis de maïs. Mais gros, hein. Ça donne tout faim, ça. On va aller là-bas. Ne laissez personne me suivre. Oh, je vais pas faire le feu, moi, avec elle. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Moi, je m'occupe de ces gars. Il va donner quoi, excuse. Comment ça va? Bien. De la toilette. Mais faut pas rester là.
Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère est du coin. Ouais, on dirait pas, je sais. Père. J'aurais voulu faire une offrande ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon... en fait, et toi? Je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger. Mon chien qui aboie parce qu'il y a d'autres chiens qui aboient. Mais vraiment con. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Mais j'ai même pas vu ce qu'elle fait. Jonah, d'accord. J'y suis. Ok. Ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose. Jonah est un bon ami, doté d'un fort instinct de survie. Je l'ai rencontré il y a quelques années pendant ma première expédition à bord de l'Endurance. Il m'a immédiatement fait rire en m'appelant ma petite caille. On a traversé tellement de choses ensemble. Et depuis que je n'ai plus de contact avec Sam, ma meilleure amie, Jonah est toujours là pour moi. Il m'a accompagnée à Kitesh pour trouver la source divine, l'artefact que cherchait mon père à sa mort. Et après avoir détruit la source pour empêcher les Trinitaires de s'en emparer, Jonah m'a aidée à les traquer, une cellule après l'autre. Une fois les notes de mon père déchiffrées, Jonah a pensé qu'il valait mieux commencer par Cozumel. Et même si je ne l'ai pas cru tout de suite... L'endurance. Bah ouais, en fait, c'est ça qui... Cozumel est le seul site qu'on a trouvé qui n'était pas détruit. T'es pas pour nègre, non? C'est parce qu'il a tellement bouffé, je crois. Les Trinitaires savent qu'il leur manque une pièce du puzzle et je dois à tout prix la découvrir avant eux. Ah, voilà. Je voulais chercher. La petite carte... C'est quoi ça, un truc de balle? Il a perdu 30 kilos d'un jeu à l'autre. Ah bah ouais, c'est parce qu'il a fait un jeu, donc il a pris la grosse tête, donc... D'accord, donc... ok... Ça c'est quoi ça? Pas de mission, ok... La voie des étoiles... Ok. Ce qui était plus imposant dans le jeu de l'endurance. Bah je sais pas en fait, je crois qu'il était... Il était pas plus mec, non? Ah, il était plus imposant, d'accord. Estarán relacionadas con tus peores miedos? Sí, señora. Pardon, excusez-moi. Quelqu'un de fidèle à Lara. Ah ouais. Ça, c'est la porte où ils étaient. Des photos. Et c'est vrai que je suis... Merde. Hop. Qu'est-ce que c'est, ça? Tissu. C'est vrai que... En appuyant sur... Ah, j'ai oublié que... Ça évite d'aller partout. Los ojos son para ver. Vous avez pris contact avec le conseil, non? Oui, monsieur. Bel fiasco au Brésil. Personne ne remet en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. Tout le monde se tient prêt. Pardon, excusez-moi. Pardon. Mais c'est pas mon gros cul. Oh. Jonah. Dominguez n'est pas seulement le chef de la cellule. Je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Faut qu'on fasse attention. Lara. Oui, c'est bon, je t'entends. C'était pas parce qu'il y a des choses à récupérer là-bas. Moi, j'ai pas envie de tout louper. Hein. Non, c'est bon, rien. Voilà. Bonjour, toi. Si. Disculpe, señorita. C'est moi. Ah ouais, il y aura vraiment des super moments plus tard. Ah bah ça, je me doute, ouais. Ça, je me doute pas, ouais. Déjà dans le premier et dans le deux, là, franchement, bien aimé.
Vous avez fait à fond. Quelqu'un a déclenché un piège au premier site. Sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas? Je veux des faits, commandant. Pas des estimations. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah, ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. Dire que j'en ai un comme ça. Il est pas mal. C'est presque le même. Hein? Docteur, sont muchos de sus hombres. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes bien aimable. Merci. On doit y aller. Mettre en rouge les ennemis. Ouais, bah oui. D'abord, heureusement. Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. T'as sa photo. Une femme blanche, d'une vingtaine d'années. Oh. T'as compris ? Entendu. Bien. Alors ? Ils la trouveront. Bien. Hors de question que qui que ce soit entre ici. Voilà, Seigneur. Oye, fuera de mi oficina. Pardon. Là, c'est ton bureau. Cierra la puerta al salir. Ok. Ouais, c'est pas mal ton bureau, c'est vrai. Mais... Alors, en tout cas, je sais pas si t'as une capsule sur ta bière, mais enlève-la. Hein. Attends, mon gars, il est déjà rentré. Bah oui. Ne t'en fais pas. Vas-y, va jouer. Bah il a l'air méchant, mais il a l'air gentil en même temps. Ils sont tout simplement incroyables. Reste bien son jeu. C'est la clé de notre prochaine étape. Si c'est bien ça, nous serons prêts. Jonah, ils sont dans le site de fouille. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. J'écris, il y a un... J'ai trouvé le point parfait. Je surveille le périmètre. D'accord. Ah, t'as déjà fait le jeu, toi, la choupochou. La soupe, la soupe. Ah, la soupe au sou. Chaque fois, je dis la choupochou. Désolé, hein, les couchettos. Alors, escaladium par papier sûr pour sauter, puis encore. Ou rien ou pas. Ouais, je pense que tu peux faire, oui. Il y a toujours le mode bourrin où t'attaques tout le monde et t'as le... Moi, je fais en mode discret. En mode bourrin quand j'ai pas trop chaud, on va dire. Ah, son arc. Ces ruines cachent forcément quelque chose d'autre. Une pyramide maya à l'intérieur d'une sorte de caverne. Putain de reflet sur mon écran. Emmenez-le dans les ruines. Ça devrait être assez loin pour masquer le bruit. Oula, 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 oula. Je peux baisser la sensibilité de visée. voilà. Ouais. J'ai l'impression de... Oulou, 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 oulou. C'est quoi c'est... Mais tout en bas, hein. Voilà, un peu mieux. C'est quoi pour s'abaisser? Ah, merci pour ton follow, Ergotora. Gotera, pardon. Oula, je m'en réveillais, je crois. J'ai une mal aux yeux. Merci beaucoup. Bienvenue au côté obscur. Il y a bien d'autres balances dans ta famille. Tu veux bien te dépêcher un peu? J'attends de Cora. Alors, F pour élimination furtive.
Dernière pensée. Stop! Attendez! Je représente le gouvernement. J'ai le droit de... Maintenant, je suis l'archéologue en chef. On vient de mettre un terme à votre pouvoir. Pitié. Non! J'ai de l'argent, je peux vous payer. Bim! Merci. Je vous ferai pas de mal. Vous aidez les Trinitaires? Ils ont trouvé quoi? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Ah, merde. Vite. Jonah, les Trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. Oh merde. Il faut que je découvre ce qu'ils cherchent. Non, mais est-ce que je peux les fouiller? Ah oui, je peux les fouiller. À toutes les équipes, préparez-vous pour l'opération Nuit Noire. Ouais. Je ferais mieux d'aller inspecter les ruines. J'ai vu un truc là, voilà. Là. Je ferais mieux de jeter un œil à ces ruines. Oui, bah attends, je récupère des objets, moi j'aime bien. Alors. Tac. Ok, ça s'est passé pour sauter. Je vais peut-être mettre ma caméra sur l'autre côté. Je ferais mieux d'aller inspecter les ruines. Les ruines, ici. Je ferais mieux de jeter un œil à ces ruines. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Je la reconnais. C'est Ishel, la déesse de la pleine lune. Oh, et là, c'est Shakshel, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Shakshel, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Prochain feu, ouais. Sur voilà. L'apparence de Lara. Comment ça, sur l'apparence de Lara? Dans les options, tu veux dire, hein? Bon, il faut bien que je descende. Ok, je vais aller là-bas. Je peux sauter, non? Alors plus vite, non? Alors, appuie sur E pour escalader la paroi. On va descendre. Hein. Rappel, appuie sur E. Pour descendre, on rappelle les murs pouvant être escaladés. D'accord. Pour changer de skin. Ah oui, d'accord, oui. Bon, ça devrait marcher. Oh, toute sécurité, ouais, j'ai failli me ramasser la gueule. Ok, alors. Ici le commandant Rourke. Sécurisez toute la zone. Dès que le docteur Dominguez sera là, on entrera tous ensemble. Elle est sans doute ses cordes. Oh, regarde encore une nouvelle comme ça. À toutes les unités, tenez-vous prêts. Elle est forte quand même. Le docteur Dominguez est en chemin. Oh non, je dois me dépêcher. Dépêcher. Oula, il y aura un truc. Oh, merde. C'est
c'est bon. Franchement. La statue regarde cette caverne. Oh, joli. Maintenez. Prendre l'élan. Ah, d'accord. Voilà. Enfin, il se ramassait la gueule, mais c'est pas grave. Jonah, j'entre dans une caverne. On risque de perdre le contact. Bien reçu. Je vais surveiller les trinitaires. Boli, champignon chevelon. Cette caverne a l'air d'être souvent inondée. J'ai vu un truc là, voilà. Ouh, joli ça. Les bas-reliefs sur ce monolithe Maya sont beaucoup trop abîmés pour être déchiffrés. Là, déjà tous les. Quoi, par en premier, tu devais dire. Oh, des petits rats. Où je suis tombé? Dans une tombe. Ok, blague de merde. Des poissons? Oh ouais, des poissons. Pas capturé ou quoi? Hein? Bon. Des cellules. Oh lui, hein. Il est mort, je crois. Bon, il y a un passage dans l'eau. J'aime pas quand il y a plusieurs passages. J'aime pas. Ah, de toute façon, mon passage, c'est aller dans l'eau. Ok, d'accord. Oui, il y a un truc qui brille là. Creusant. Ils sont obligés de faire le sous-titre creusant. Je me doutais pas qu'ils étaient en train de creuser. Ça m'embête, il y a un truc là-bas là. C'est après. Peut-être après, pour après. Ouais, bah oui, c'est ce que je me dis. Ouais. Alors, maintenant, on a Jean pour monter. Ctrl G. Plonger. Mèche gauche. Ok, mèche gauche. Ok, ça va bien s'écrouler, va avec. D'accord. Elle casse tout, c'est vrai qu'elle casse tout. Hein. C'est une femme, hein. Désolé. Hop là, j'ai trouvé quelque chose.
Ah, ça a brillé là-bas. Pépépé, je savais que l'attendais ça. Oh, bonjour les capucins. Oh, et je commence à plus avoir d'air là. Ah, là-bas. Sont étouffés. Plein de trucs. Mais vas-y, t'es bloqué par quoi là? Tellement beau, ouais, c'est vrai que c'est l'effet de l'eau, tout ça et tout, ouais, mais l'intérieur de l'eau, c'est vrai que c'est beau. Hein. Envie de rester dans l'eau. Bon, si je reste dans l'eau, elle meurt. D'oxygène, ben apparemment non. Ah bah si, quand même. Apparemment non, il n'y a pas de jauge d'oxygène. Donc, c'est à l'instinct en fait. Dès que t'entends qu'elle se noie, en fait, tu dois remonter vite. Musique soudaine. C'est quoi ces sous-titres? Musique satisfie. Ah bah ça c'est con ça. Peut-être. Je dois trouver le temple que Dominguez cherche partout. Ah d'accord. Je viens de trouver le... D'accord, elle a déjà le fusil à pompe, elle a déjà le T-gun, elle a déjà le fusil d'assaut. Ok, d'accord. Alors, matériel manquant, pour passer ce point, vous avez besoin d'un couteau renforcé. Ok, d'accord. C'est beau. Ah, joli, je veux le même pour chez moi, ça. Oula. F. Ouais. Là aussi, je vais même pas chez moi. Alors, si je tombe, je crève. Une warrior, voilà. Bah oui, franchement, ouais. Quand tu regardais dans le premier, tu devais débloquer tout au fur et à mesure. Là, tandis que là, tu commences à peine le jeu, t'as déjà tout. Jonah? J'ai réussi. Je suis dans un temple souterrain. Bien. Waouh. C'est pas bon, ça. Lara, les trinitaires rentrent à l'explosif. J'entends ça. Ça crée des secousses. Il y a une pyramide. Je vais monter au sommet. Ah, tu aurais été voyant. Je pète au sous. Alors,
Ah d'accord, c'est pour... ouais. D'accord, ok, j'ai compris tout. Lara, comment ça va ? Elle m'énerve quoi, bien. Elle regarde sur rien. J'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Je cherche des contrepoids. Mais je t'entends mal. Il y a de l'activité ici. Je vais me rapprocher. Joli. Ils ont du goût pour les décors. Dans le premier reboot, pas tellement au début, elle chialait beaucoup. Normal, c'est une femme. Ah bah ouais, c'est ça. Il faut que je fasse monter cette cloche. Chose là. Après, avec 19 ans, normal qu'elle pleurait. Tué pour la première fois. Tué pour la première fois, pareil. Il faut que je fasse monter cette cloche. Faut que je fasse monter cette cloche. Oui, j'ai compris, mais attends, je regarde s'il n'y a pas des choses. Ok, voilà. Je vais faire le con. Ah, brûler dans les flammes de l'enfer, monsieur. Il y a une échelle là-bas. Fait des sauts. Oh mais non, ils sont en train de tout casser. J'aime bien parce que ça a vécu des centaines et des milliers d'années. C'est juste au moment où Lara elle vient là que ça se casse la gueule, des trucs comme ça. Là-bas. Comme d'habitude, elle casse tout. Bah ouais, c'est ça. C'est... Ça serait son père, ça serait pas cassé. Non, non, c'est une femme, c'est tout. <rire> 50 XP, wow. 50 XP pour remonter une corde. Ah, examiner une phrase pour améliorer votre savoir antique. D'accord. D'accord, là ça c'est mon savoir antique, ok, d'accord. Elle porte la scoumoune. Ouais, c'est joli, franchement. Pourquoi elle a pas pris directement l'escalier là? Ça aurait été plus rapide. Hop bah, oh lolo. Ouais. Oui. Ah mais non. Elle adore la complexité, bah ouais, je vois, c'est ce que je veux, ouais. J'ai mal sauté, j'ai mal vu mon coup, moi. La cloche de la plateforme est coincée. C'est mort épique. Bah ouais, en fait. Ouais. Elle a pas sauté au bon endroit. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Ah, je sais comment faire.
Hier, j'ai regardé un streamer qui était en train de jouer. Ça, il t'arrive à cet endroit-là. Oui, oui, faut le pioler, ouais. Faut le pioler pour se rattraper. Allez, pousse là, poussez, poussez, madame. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Non, mais je sais comment faire, hein, t'inquiète pas. Il y aurait eu le panneau Zera, t'inquiète pas, les chemins seraient plus courts. Hep, c'est quoi ça? Putain, encore des sculptures à faire et tout. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Pas galère ça. Bon. Q ou D? Non, de côté. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. J'ai envie de quitter là. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Ah mais c'est quitter moi que je veux. Ah c'est, ok d'accord. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Non, de l'autre côté. Oui, j'ai compris, arrête de répéter la même chose. Message peu vert. Hein. Les pneus de votre Ford Focus sont-ils en bon état? Bah ouais. Alors appuyez sur F pour couper la corde. Non. Boum. Pas d'autres trucs. Hein. Non. C'est pas mal leur système hein, de. Franchement. Vous allez là-bas? Ah, oh, c'est quoi ça? Ah, je dois peut-être le faire sur le... Sur... Ici, d'accord, il y a une échelle là. Mais non, je... Oh non, je suis débile. Je dois pas apprécier ce... Ah, bah si, c'est là-bas que je dois monter. D'accord, et aller l'échelle plus vite. Oh, quel con. Vite, vite, hop. Bah oui, mais le truc... Ah franchement, je crois que je dois pas aimer ce mur. Moi, je fais pour qu'il reste en bas. Je veux bien, mais bon, faut qu'il reste en bas le truc. Truc et de mettre un poids sur l'autre. Bah ouais, je veux bien, mais mettre quoi comme poids? J'ai plus de chariot. À part aller plus vite, mais je peux pas aller plus vite.
Bah non, hein, c'est... Au fin fond, Lara. Bah ouais, non, on peut pas... Elle descend là, ouais. Quoi ce bordel? Ah, quel con, je peux... Oh non, 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 non. Oh, quel con. Elle serait moins grosse, elle a pas de fin, ne se rendrait pas. Elle serait moins grosse, ouais. Qu'elle perd du cul. On a capté qu'elle va mourir avant de crier. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je suis bête. Le servi. Alors... On aurait dit Spider-Man. Jonah. Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ishel ». C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les Trinitaires ? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami. Une tempête. Un séisme. L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Ah ouais, franchement. Ouais. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. C'est pas mal, ça. Tu crées, mais après tu détruis. Ça, ouais. On dirait la constellation de l'Hydre. Mais les étoiles ont l'air mal alignées. Ah, une énigme. Faudra tourner. Ah, c'est elle qui le fait. Vas-y, on va faire le coup. Dague. Jonah, j'ai trouvé une dague. Il y a une inscription. Il y a toujours des inscriptions partout. Le cœur d'Ishel offre la purification. On peut pas laisser faire les Trinitaires. Ouais, on va réfléchir. Merde, Lara, il y a des Trinitaires qui viennent vers toi. C'est un piège, voilà, tu vas voir quelque chose. On va se détruire. Voilà, voilà. Détruis tout encore. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde! Jonah, reste pas là, remonte! Oh non, tu l'as prise, c'est ça? Vite! Le frère Kakashi, bah ouais. Hein. Encore une fois, mais elle réfléchit après. Alors le siège commence. Ouais, c'est pour ça qu'on a des renforts. Oui, ça va, ça va. Dominguez arrive cette nuit, j'ai compris. Mais moi, ce que je te dis, c'est que la pluie va noyer cette... Tu crois que je fais quoi, bordel? J'inspecte justement la pompe à eau. Bien caché, franchement. Bon, on va faire en sorte que tout se déroule correctement. Oh. On peut mieux le cacher, hein. Comment ça se passe avec la pompe? Monsieur, arrêtons de m'embêter. Désolé, encore une femme. Ah bah ouais, mais bon, désolé, hein. J'y peux rien. C'est pas le moment de jouer, espèce d'abruti. Une femme qui réfléchit. Ça existe, ça?
préparer les lampes. L'opération Nuit Noire a commencé. Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. Pas pleine de boue. Merde. On s'est préparé. Vérifie que la zone est sécurisée. Mur végétaux, restez. Je sais pas, mais il paraît que ça va être incroyable. On va vérifier que la zone est sécurisée avant que le commandant Rourke arrive. On sera prêt. Les inspecteurs arrivent, soyez prêts. Merde. T'en fais pas, je vais réparer ça. Ah, qu'est-ce que c'est long. Coup de pioche dans la gueule. Vous attendre deux, quand hein. Il arrivera, ça va pas être joli à voir. Se passe quoi à la porte? Les archéologues sont là. Là? Bon rapport. Ouais. Presque chargé. La ligne noire va prendre un peu d'avance. Je déteste. Quoi? Je vais jeter un œil. Bim! C'est bizarre. Et bim! T'aimes bien qu'on te taquine. Hein. Bah oui, ils aiment bien quand même. Genre, regarde, dire. Oh bah ouais, c'est des hommes. On va s'occuper des corps. Toi, surveille les zones de la police. Préviens-nous si quelqu'un signale des coups de feu. Rourke arrive avec les renforts. Je veux que tout soit prêt quand ils arriveront. Est-ce qu'on peut pas siffler, non ? Saleté d'archéologues. C'est bien fait pour leur gueule. Ouais, ça fait des années qu'ils essaient de savoir ce qu'on fabrique ici. Bien, ils ont compris. J'espère que ça valait le coup. Ah, t'es sué. Ouais. C'est con, on aurait mieux fait de s'occuper de leurs affaires. Alors... QG, ici l'équipe Gamma. L'équipe où sont les renforts? Parallèle du mur. Ouais, bah. Vous foutez pas de moi, la zone est sécurisée, mais on a besoin de soutien. Moins on drôle, n'est pas vraiment discret. Gens, par contre. Ah ouais, c'est vrai que c'est moins drôle. Hein. C'est... Deuxième partie du plan. On dit aux habitants qu'on a tué un humain enragé et qu'on vérifie qu'il était bien seul. Faites-les patienter le plus longtemps possible. En fait, au moins, il est jaune et après, il est rouge. QG, le signal est faible et brouillé. QG, répondez, QG. QG. Ouhou. J'ai eu chaud. Franchement. Ah, il est vachement caché là. Oh si j'ai bien compris, d'après le chocolat, tu seras découvert si tu tues à cet instant. Je passe au prochain secteur. À un moment, je pouvais prendre là, F. Saloperie de tempête qui pourrit le signal. QG, répondez. Ah. Ok, il avançait pas, mais c'est pas grave. Bon, on n'a rien vu. J'ai pas le temps de finir sa phrase. Putain. J'allais dire putain. Les inspecteurs arrivent, soyez prêts. Eh, dégage du mur. Tooming. Bien reçu. Dépêchez-vous. Allez. Elle est où? Il a disparu son corps. Il a disparu. Les bonbons en plus pour le
sièges. Ouais, on les a reçus il y a 5 minutes. Mission. Ouh, ça va péter. Le mec écrit pas. Quoi. Ah bah oui, franchement. Bah il, elle l'a tué instantanément. Hein. Ah bien. Parce qu'imagine qu'un flic kamikaze balance une grenade par-dessus et qu'elle atterrisse au milieu. Ah. Ils sont où ces renforts? On tiendra pas cette porte sans eux. Un homme, ça crie pas assez fort. Ah ouais. Tout à fait. Oui. Trop de pression peut-être. Ouais. Sans doute. Bon, on fait quoi? On s'assoit et on attend? Ouais. Bah ouais, c'est Yvou, hein. C'est Yvou, on attendez. On hein. Pas le temps pour ces conneries. On devait sécuriser le mur. Je passe au prochain secteur. Ah, la tempête sera bientôt là. Ah si, il était mort, hein. Il a pris un coup de pioche quand même. Hein. Bon, est-ce qu'ils vont bouger ou pas? Non? Est-ce que si je peux prendre... Putain, il est fort quand même. Garde la bouteille en main. Attends, ouais. Alors. Quel temps de merde. Ah, ça c'est vrai, quel temps de merde. Hein. C'est lui qui me fait chier là. Déchargé. Quoi? La nuit va être bien longue. Qu'est-ce qui se passe par là? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il est pas à sa place? Ah, grenade à fragmentation. À chaque fois que je viens au Mexique. Ah d'accord, c'est pour fabriquer. Cette machine, ma femme est au boulot. Ah bah oui, c'est ça. Bah oui, pareil aussi. Parce que si elle serait derrière... Merde. Tirez. Merde. Comme une gaz laveur en vie. Elle massacre nos hommes. Mais je peux pas en dire autant. Bien reçu. Cible en vue. J'ai jamais aimé les hélicos. Hop, 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 hop. Contact à la sortie rétabli. Tiens le coup, même plus pour longtemps. Il fait par derrière, lui. Merde, voilà d'autres. Je te fais découvrir, hein, bravo. Bah ouais. C'est pas bon en fait de lire le chat en même temps que jouer. Vous voyez qu'elle est partie? Bim. J'espère que c'était les gars. Je sais pas en plus si tu chat. Bah je pense que ouais, t'as plus d'XP ouais. Allez récupère. Bon, faut que je récupère tous les cadavres. Plein, j'ai le plein. L'année prochaine, 10 ans de manège déjà maintenant. Ah ouais, 10 ans de manège. D'accord, ouais. Ouais, 10 ans de mariage. Ouais, ça passe vite. Ouais, félicitations. Ouais, ouais. 10 ans de malheur, comme on dit. Je te plains. Emmène-nous, c'est Michel. Malheureux, je suppose qu'il ne serait pas resté. Ah bah, hey. C'est pas, il est peut-être enchaîné chez lui. Hein. Dès qu'elle part au travail, hop, vas-y, qu'elle l'enchaîne. Hop. C'est pas. Hein.
Enfin, c'est comme moi, ma femme, dès qu'elle part au travail, elle ferme la porte à clé, elle prend les clés. Hein. Ah bah oui, en fait, c'est juste pour passer le temps, parce que sinon, après, t'es en train de ronger les... Ah, elle te fera... Ah, je comprends, je te comprends, ici. Je comprends ta douleur. Ok, donc... Non. C'est la belle-mère, c'est à l'ogre. Tout à fait, ça devrait être... Pourquoi je me balade avec mon bidon d'essence, moi? Jamais. Hein. J'en peux plus de vous. La voilà. Ah bah ça c'est con ça. Y a pas que les hommes qui regardent pas derrière, hein. Y a les femmes aussi. Pas. Lara Croft. Où c'est moi? Mais il est gentil. Où est le bidon? Ah bah ça je sais pas. Ouais. Je m'intéresse de près à votre travail. Comme tous les trinitaires. J'ai sacrifié ma vie pour elle. Ah non, t'es encore là, tu t'es pas sacrifié. Où est la boîte d'argent, Dichel? Donnez-la-moi. Elle est à l'abri. Vous ne l'avez pas. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire le monde. Sans la faiblesse, la cruauté. Et bien sûr, sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous mentez. Lara. Vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes, tout ça grâce à vous. Vous auriez fait la même chose. Un cataclysme, tout ça à cause d'une femme, voilà. Donc t'as un homme qui l'aurait pris, on va pas arriver. La clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Vous rendez-vous compte du tragique de la situation? Quoi qu'on a sonné chez moi. J'arrive. Je sais pas si je peux... Ouais, si, j'arrive. Quoi qu'on a sonné chez moi.
Ouais les amis, désolé, c'était le postier, j'avais un petit colis. Alors, il y a eu des petits messages, j'ai pas vu. Alors, ça a sonné, oui, ça avait sonné. La prochaine, ma femme a 40 ans, j'ai 20 ans, c'est la même chose, non? Ah ouais, franchement, ouais. Ah ouais, t'en prends deux de 20 ans, c'est exactement la même chose. Petit peu moins chiant, au moins. Un peu, comme on dit, on renouvelle sa garde-robe. Hein, il faut la renouveler. C'est l'humour, oui. J'ai médité une femme sur son neige, exception faite, si elle s'en fout, on a une bonne dose du boulot. Ouais. Il faudrait déjà qu'elle paye de tout. Monsieur peut échanger comme des minettes. C'est notre... Je la porte. À des vaillinets, on ne voit pas, je crois. Non, je le garde pour le ménage et le faire moi. Mon dieu. Oh, je passe la fin d'année dans le canapé. Ah oui, je pense que ouais, si elle t'entend, ouais, tu passes ta fête journée dans le canapé. Hop là. Bon, voyons, finissons cette cinématique. Désolé. L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle ne consume. Oui. Moi, il faudrait que j'y aille parce qu'il faudrait que je fasse à manger pour madame. Merde. Il aurait pu me prendre dans son hélico, cet enfoiré. Ça a dû faire mal ça, en pleine gueule. Le tsunami, ouais, franchement. Hein. Ah d'accord, il faut que je bouge. Heureusement que j'ai... Ouh, mieux qu'il est montagne russe. Bonjour. Bonjour. C'est mieux que du rafting. Pas mal, hein. Ah ouais, là, ouais. Bonne femme, c'est une femme qui a foutu le monde en l'air. Faut pas faire confiance en femme. Allez. Attrape. Attrape le volet. Voilà. Attends, fais gaffe à la voiture. Bah ça c'est con, ça s'appuie sur le truc pour partir plus loin, mais ça tape le... Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Ah, là, un petit truc à découvrir, hein. Là-bas. Ah, bah c'est bien au moins, ça a sorti, ça... Ça marque la sortie. Ah, c'est bien. Ah bah oui, ils ont pas toutes les pollutions. C'est très nucléaire là-bas. Oui, mais bon, ce serait marron foncé, franchement, on verrait plus rien. C'est un peu. Avance à l'aveugle. Il y a des bubules. Les brassières, les détritures, bah ouais. Mais bon. Bonjour. Ah, c'est la chasse, ça. Oh non. C'est pas mal ça.
merde. Encore pareil. Au même endroit, les mains. Ford aussi. Ah, toi aussi, t'as une Ford. Par rapport aux pneus, je me demande s'il est en bon état. Il y avait un mort raté numéro 4. Ah, bah oui. Ah 5. C'est pas évident d'en même temps de lire le chat. Ah, pas pour l'instant, non, pour l'instant. Hop là, et voilà, tu vois. Faut aller vite en fait. Comme par hasard, tu veux dire. L'église arrive au bon moment. La recette du désastre. Ah, ben, vous avez la recette du désastre, prenez une petite pincée de la prof, et c'est bon. Ah, ben, non. Ah, bah oui, ouais, je comprends. Hein. Ouais. Mais s'il y a mon CS qui commence à se baisser aussi, ça ira pas. Prends de la hauteur. Hein. Prends de la hauteur. Je sais pas ce que tu fais. Oh merde, j'arrête d'une connerie mais bon. Merde. Un peu triste quand même. Aussi, je suis en Suisse, ça doit être intéressant, je suis en train de là pour une rendez-vous. Ah. Ah bah je l'ai rejoint le gosse. Ah mais t'es en Suisse. Ah je connais quelqu'un de Suisse aussi qui... Moi aussi je voulais la Mondeo, la dernière Mondeo. Je la trouve pas mal la dernière Mondeo. Eh, dès qu'elle tombe. Eh, en plus, au même endroit, tu vois. Ne bouge pas, Nelouki, essaie de m'accrocher. Non, mais qui est elle? Maman, maman, non, mais ça marche pas, non. C'est pas vrai. Voilà, t'as pas pu sauver. Voilà. Ça aurait été un homme, c'est bon. Il l'aurait sauvé. Oh, est-ce qu'il y a un endroit tranquille là pour que je puisse arrêter ou moins que je reprends cet après-midi? Parce que si je fais pas manger, madame elle va m'engueuler. Ah bah tiens. Jonah! Jonah! Lara! J'étais tellement inquiet. J'ai échoué. Pire. Comment ça? Ça grandira bientôt. Dominguez. Alors, break obligé. Ah! Je l'ai perdu. Ah ouais. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement. Moi ça va, j'ai, pour l'instant j'en ai qu'un. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Félicitations. Un homme comme lui, on doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non, 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 non. On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent. D'accord, mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri. Pas s'il trouve la boîte avant. Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque... La seule à pouvoir faire quoi? Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Parce que c'était une femme. Arrête de penser que le monde tourne autour de toi. Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein? Une énigme? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Entre le deuxième ou la deuxième. Merci. Et je trouverai un avion. Pourquoi le premier c'est quoi? C'est un garçon ou une fille le premier? Les prénoms déjà en vue. Ça c'est vrai, ça c'est le truc le plus dur à trouver ça, le prénom. Mmh.
Joli paysage. Hein, là aussi, on peut dire joli, très joli paysage. Oiseau gazouillant. L'Amazon. Hop, voilà. Bon, je vais arrêter ici avant que ça redémarre. Là, une petite cinématique. Voilà, peut-être, vraiment peut-être la cinématique. Hein. Je laisse le choix à ma femme et c'est un garçon de bientôt 11 ans. Ah ouais, déjà 11 ans, ouais. Ah ouais, moi il y a seulement 2 ans et demi là. Non, je... Tu vois, vaut mieux la femme parce que... Parce qu'on va... Nous, on va trouver un prénom. Oh mais non, ça me plaît pas, nana, ça fait pas ça. On va dire un prénom, nous on est obligé de dire c'est bien. Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. Ouais, ça va être un grand frère protecteur, ouais. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit... Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne? T'as une idée? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague... Tu veux dire les secousses du tsunami? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Un dragon. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Oui, c'est juste pour le premier, il est normal qu'elle choisisse le deuxième. Ah bah oui. Chacun son tour. Hein. Par contre, c'est un peu... J'espère que c'est pas des jumeaux ou des triplés. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment? Mais oui! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin... On est tout prêt. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les trinitaires. Même si c'est une femme. Miguel, y a un coin pour atterrir? Oui, je peux vous déposer près de Kouwaka. Allons-y. Ça va secouer. Oui, c'est ça. Oh. Y'a quelqu'un qui l'a chier dans le bas. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vous laisser l'avion. D'accord, bah c'est comme ça. Moi, homme fort. C'est ça, ouais. Par contre, si je fais pas manger, moi je vais me faire engueuler, moi. Donc c'est pour ça, il faut que je... Il faut que je stoppe là, moi. J'attends la cinématique, ça m'énerve. Il est pas bon d'être pilote dans l'entourage de Lara, apparemment. Oui. Bah, il est pas bon d'être dans l'entourage tout court de Lara. Jonah, je comprends pas qu'il est déjà pas mort, lui. Quoique, à chaque fois il se sépare de Lara, donc c'est pour ça qu'il survit. Ah, voilà. Il a compris, lui, en fait. Il a compris. Alors, comme là, tout à l'heure, il était séparé, donc il n'y a pas eu de tsunami. Là, il est dans l'avion avec, pouf, hop, c'est bon.
Là, il a été séparé avec l'avion, en deux, hop, hop, on va le retrouver, allez, après, il sera en pleine forme. Oh, recouverte de boue. Atterrissage forcé, ben c'est un peu plus que forcé, là. Hein. Bon, en fait, tous les gros, mais elles sont là. Bon, ouais, je vais arrêter là. Tout de suite, parce que là, je vais aller faire à manger. Sinon je reviens vers 13h. Donc 13h, on va reprendre tout de suite là. Je sais pas si je peux sauvegarder. Sauvegarder le jeu, voilà, impeccable. Hop, jungle péruvienne, c'est pour ça, voilà. Ah, bon appétit, merci. Merci, bon appétit à vous aussi. Donc sinon, ouais, je reviens vers 13h. 13h, ouais, 13h moins 5. Je vais revenir. Comme ça au moins, et vous êtes là. Ça fait un bon moment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, ouais, revenez vers 13h. Y a pas de souci. Donc, ouais. Ouais, je pense que je vais reprendre ici. Voilà. Sinon, voilà. Je vais jouer toute l'après-midi au jeu. Voilà. Voilà. Bon, bah, je souhaite un bon appétit à tout le monde. Et en tout cas, merci pour les follow. C'était sympa. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit à tous.